Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous rappeler qu'il est super important pour moi que vous puissiez interagir un maximum avec mon contenu afin de soutenir ma chaîne. Je vous rappelle également qu'il y a le Patreon qui est disponible en description avec plusieurs paliers sur lequel vous pouvez m'aider financièrement pour que je puisse continuer de produire du contenu gratuit sur YouTube. Je vous remercie énormément pour chaque petite chose que vous faites afin de me soutenir. Il y a plus de 3 ans, je sortais cette vidéo. Et oui, le temps passe vite, bref. Aujourd'hui, l'exercice, ça va être de refaire exactement la même vidéo, c'est-à-dire de présenter ma pratique et qui je suis, comme si c'était la première fois sur YouTube. En gros, d'expliquer en quelques mots à des gens qui ne me connaissent pas et ne savent absolument pas d'où je sors. Donc en gros, c'est le Twig apprenti sorcière numéro 2. Donc d'abord, qui je suis? Eh bien, enchantée. Premièrement, je m'appelle Twig et j'ai 23 ans, bientôt 24 au secours. Je pratique et j'explore le domaine de la sorcellerie depuis, ben ça va faire 7 ans en juillet. Je suis tombée dedans quand j'avais environ 16 ans. J'ai commencé en fait à lancer des sorts à cet âge-là. J'ai commencé par m'intéresser à la lithothérapie, puis après on est parti sur des trucs beaucoup plus pratico-pratiques au niveau de la sorcellerie, lancer des sorts de guérison, d'abondance, de tout ce qui était purification, protection également. En gros, je me définis comme sorcière, c'est, je pense, la chose que vous devez retenir. Donc oui, je suis sorcière, mais pas que, puisque la sorcellerie, c'est une pratique qui est extrêmement transversale. Donc dans ma pratique, il va aussi y avoir toute une place pour le développement personnel, la médiumnité, le paganisme et la spiritualité, mais j'y reviendrai juste après. Donc déjà, je me définis pour sorcière, pourquoi? Parce qu'il faut quand même le vouloir de se définir comme sorcière. Eh bien, déjà parce que c'est une réappropriation de mon identité, c'est-à-dire que ça me permet de m'assumer dans un rôle que j'accepte et qui, pour moi, me correspond. Et puis aussi parce que c'est un mot porteur de sens et c'est un mot fort, puisque bah, la sorcière, elle fait peur, elle dérange. Et j'ai très longtemps, en fait, incarné cette figure du vilain petit canard qui fait un peu chier tout le monde et que tout le monde regarde un peu de travers. Et donc finalement, ça me correspondait bien. Mais c'est vrai que j'aurais pu me coller d'autres étiquettes comme genre médium, mage, bref. Mais identitairement, j'ai choisi le mot sorcière, puis parce que, déjà, je pratique la sorcellerie, mais aussi parce que il me correspond pour les raisons que je viens de vous évoquer. Donc se définir, c'est un choix qui est extrêmement personnel, on n'est jamais une seule chose, on est plusieurs choses à la fois. Et donc c'est un choix, vraiment, de se définir comme sorcière. Revenons-en donc à ma pratique, je vous expliquais que donc il y avait la sorcellerie. Donc la sorcellerie, ça va vraiment être le fait de lancer des sorts, avoir un pouvoir sur le sort, c'est-à-dire que demain, si je convoite quelque chose et que je souhaite lancer un sort pour m'attirer les bonnes augures, je peux le faire. Il y a la divination aussi, mais ça c'est autre chose que la sorcellerie encore, donc c'est-à-dire que ben, je tire les cartes, je fais des voyages astro, j'ai... Enfin ça c'est plus la médiumnité du coup. J'ai des visions, j'ai de la clairaudience et de la clairsentience. Voilà, c'est des capacités que j'ai développées au fur et à mesure aussi de ma pratique. Je tire les cartes, mais je pratique d'autres types de divination également, puisque je pratique aussi avec les runes, avec tout ce qui va être par exemple le scrying, c'est des choses que je fais, donc divination à travers le miroir, avec la cire des bougies, avec plein de choses en fait finalement. Je lis les augures de manière générale dans la vie, et j'essaye d'y trouver des symboles et de comprendre ce qu'on souhaite et ce qu'on veut de moi et ce que je suis censée faire. Voilà, en gros. Donc il y a aussi le paganisme qui fait maintenant partie de ma pratique et de ma vie. Donc le paganisme, c'est en gros tout ce qui va être lié à des religions dites païennes, donc souvent polythéistes. Donc en ce qui me concerne, je travaille plutôt avec les divinités du panthéon égyptien, avec deux divinités en particulier, dont je ne parle pas encore vraiment publiquement, même si je pense que ça finira par arriver un jour. Évidemment, je n'exclus pas du tout l'existence d'autres divinités. En ce qui me concerne, au niveau de ma croyance, je pense que tout existe, sous forme d'égrégore en tout cas ça existe. Donc un égrégore, qu'est-ce que c'est? C'est une entité qui va être créée par la pensée de plusieurs personnes, donc par un groupe de personnes. En gros, en très très gros, un égrégore c'est ça. Donc de manière générale, énergétiquement, toute divinité,
toute entité existe, en tout cas sous forme d'égrégore. Et donc c'est avec ça que je vais travailler, c'est là-dedans que je vais trouver certaines puissances, bien que la sorcellerie en fait elle s'appuie aussi et surtout en fait sur des objets physiques pour envoyer quelque chose énergétiquement qui va avoir une répercussion a priori dans le monde physique. On n'a pas forcément besoin de divinité ou d'égrégore pour pratiquer la sorcellerie, donc c'est pour ça que c'est la croyance, c'est un domaine qui peut être totalement à part de la sorcellerie. Donc médiumnité, je vous en ai un petit peu parlé, et spiritualité, développement personnel, c'est des choses qui pour moi sont aussi incontournables puisque on est dans quelque chose, on est sur quelque chose qui étudie en fait l'invisible, qui étudie des processus que scientifiquement on peut pas encore expliquer. Et donc pour moi le développement personnel et la spiritualité sont donc en soi, j'ai pas envie de dire obligatoires, mais viennent quand même à un moment donné avoir leur importance dans la globalité de ce qu'on est, de notre être humain. Ça va nous permettre de réfléchir à toutes sortes de questionnements, et en sorcellerie en fait il y a quand même une notion de pouvoir qui va être assez importante, et la question ça va être déjà est-ce que je me connais, puisque ben, pour pratiquer la sorcellerie il faut se connaître, il faut savoir gérer son énergie, savoir gérer son subconscient et son conscient évidemment, mais le conscient en général c'est plus simple, c'est connaître ses réactions, connaître ses peurs, puis il y a tous les questionnements de bien, de mal, de à quel moment est-ce que je conçois que c'est juste d'intervenir ou pas. Voilà, c'est beaucoup de choses comme ça qui englobent un peu cette image de la sorcière, qui sont propres à chacun. Hein, tous les sorciers et toutes les sorcières ne pratiquent pas du tout de la même façon, et donc je vais un petit peu vous expliquer ce en quoi moi je crois, et ce que, pas forcément ce que je pratique, mais en tout cas spirituellement, comment est-ce que je me suis développée. Donc au niveau vraiment de ma spiritualité, mes croyances, tout ça, ça va être quoi? Moi je pense que tout est sur un même pied d'égalité, donc c'est-à-dire que je ne suis pas en soi plus puissante que quelqu'un, et quelqu'un n'est pas forcément plus puissant que moi. Tout va dépendre des expériences, des filtres, de comment est-ce qu'on va interagir, mais globalement on part tous sur un même pied d'égalité en termes en tout cas spirituels, en termes de sensibilité au monde de l'invisible. Donc je vous parle pas de voilà de quelqu'un qui va naître dans un autre pays ou ce genre de choses, genre je me doute bien que sur certains points globalement on n'est pas tous égaux, mais le pied d'égalité je le place en tout cas énergétiquement entre les plantes, les entités, les humains, les animaux. On a tous une vibration énergétique qui nous est propre et qui en soi a la même puissance pour chacun. J'accorde une grande importance sur le fait de rester juste également. Ascendant Balance, bonjour. Je n'aime pas l'injustice, j'aime que tout soit équilibré, quand on me donne quelque chose j'apprécie de rendre également, mais ça c'est moi qui ai le pouvoir là-dessus, c'est-à-dire que par exemple tout ce qui va être les lois du retour etc, je n'y crois pas forcément, mais j'agis toujours de la manière la plus juste possible en tout cas pour moi. Donc c'est évidemment utiliser mon pouvoir avec conscience et à bon escient. Donc pas exagérer, pas faire tout et n'importe quoi. Voilà, toujours être sur une certaine harmonie et faire en sorte que ça soit juste et justifié. Il y a une grande part aussi d'acceptation et de lâcher prise. Donc parfois il faut aussi accepter ce qui nous entoure et comment est-ce que ça se passe. Il faut aussi avoir conscience qu'on n'a pas le pouvoir sur tout. On a un certain pouvoir, donc c'est vraiment la conscience de son pouvoir. Mais accepter aussi qu'on ne peut pas tout contrôler. Et ça en tout cas c'est dans la théorie, parce que dans la pratique c'est différent, parce que moi j'ai tendance à surcontrôler tout, mais c'est quelque chose que je travaille. Dans l'acceptation il va y avoir le travail avec toutes les facettes de son être, donc c'est à dire que je ne vais pas refouler mes peurs, je vais connaître mes limites, je vais savoir jusqu'où est-ce que je peux aller, si je peux aller plus loin ou pas. J'ai besoin de connaître les limites de mon pouvoir, comme je viens de vous le dire. J'accepte également tout ce qui va être émotion négative, donc la tristesse, la colère. J'accepte de vivre toutes les facettes de mon être, donc que ce soit des facettes qui sont considérées comme lumineuses ou comme sombres, sachant que pour moi, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas deux faces. Il n'y a pas juste noir ou blanc, même s'il y a des extrêmes bien évidemment. Il y a des choses qui vont être jugées comme pas bien, des choses qui vont être jugées comme bien, mais de nouveau ce sont des filtres qui sont ultra personnels. Et du coup, ça c'est quelque chose que j'ai acquis à travers l'exploration notamment de l'astral et de la médiumnité et du travail avec les entités, c'est que les notions de bien et de mal sont vraiment propres à chacun, aux expériences et aux filtres en fait. Donc pour moi il n'y a pas deux paniers, voilà, ça, on remplit un peu de chacun des paniers, il n'y a pas tout blanc ou tout noir.
puisqu'on a chacun nos filtres et il y a cette importance de respecter les filtres de chacun, dans le sens où je dis pas que tout est juste, mais je sais qu'il y a une part de ce que moi je vis qui se projette forcément sur l'autre, sur ce qui vit, et que donc forcément je n'ai de toute façon pas la science infuse, je ne peux pas savoir comment l'autre ressent les choses, ce que l'autre a vécu, comment est-ce qu'il a été éduqué. Voilà, c'est toutes des choses sur lesquelles moi je n'ai pas le contrôle en fait. Je n'ai pas le contrôle de l'autre. Un autre point, ça va être écouter son corps et son mental. Alors ça aussi c'est un point qui est fortement en cours, mais en tout cas on y travaille. On essaye de pouvoir se reposer quand on en a besoin. On essaye de faire les choses qui nous font du bien. On essaye d'être bien et apaisé avec soi, tout en se laissant vivre les aléas de la vie. Je ne vais pas me forcer à être heureuse s'il y a quelque chose de triste qui vient de se passer dans ma vie. Voilà, j'accepte par exemple de faire des deuils, j'accepte d'être triste, j'accepte la colère. Ce sont des étapes qui sont nécessaires au bon fonctionnement humain. Et donc l'écoute de son corps et de son mental en fait partie. Autre chose du coup, ça va être d'honorer et d'être en communion avec ce qui m'entoure. Alors honorer, ça va être vraiment dans le sens déjà d'honorer les divinités avec lesquelles je travaille et d'honorer les divinités avec lesquelles par exemple mes amis travaillent, puisque en fait dans la communion, la communauté, ce que j'aime moi, c'est ce besoin d'échanger avec d'autres pratiquants. C'est-à-dire que j'aime pratiquer seul, mais j'aime aussi pratiquer en groupe et surtout échanger en groupe. C'est ça qui va être hyper intéressant, c'est l'échange et le partage. Ça aussi, c'est quelque chose dans ma spiritualité que je trouve vraiment nécessaire, c'est de partager les expériences pour pouvoir apprendre sur soi et sur les autres. Et honorer, il va y avoir aussi le fait d'honorer la vie tous les jours, au quotidien, et cette espèce de gratitude de se dire « Ok, je peux vivre des trucs, je peux faire des choses, j'ai en soi cette chance de faire partie du monde physique et je suis là pour l'explorer. » Voilà, ça va être honorer en fait les petites choses de la nature au quotidien pour essayer de voir en tout cas les belles choses qui se passent. Parce qu'il y a des mauvaises choses hein, qui se passent, vraiment on vit dans un monde qui peut sincèrement être vraiment horrible, j'en fais moi-même l'expérience sur certains points qui sont vraiment atroces. Ça va être le côté voilà, harmoniser les choses difficiles et les choses belles qui arrivent, parce qu'on a tendance vraiment à voir beaucoup le négatif, ce qui est humain, je vous l'accorde, et parfois faut être réaliste et les choses ne sont pas toujours bien, c'est un fait. Mais il va falloir aussi rééquilibrer avec des choses positives qu'on peut créer soi-même ou qui font simplement partie de la vie. C'est-à-dire que par exemple, tous les matins, moi je me réveille, je vois mes cochons d'Inde et c'est un truc, vraiment, je me dis genre, je suis heureuse qu'elle soit là. Ou j'ai la chance d'avoir un jardin, j'ai la chance de pouvoir marcher pieds nus dans mon jardin, sentir l'herbe, j'ai la chance de pouvoir manger, ça c'est un truc extraordinaire, j'adore manger. Pour moi, il y a des trucs vraiment basiques dans la vie qui sont géniaux et qui permettent voilà, de rehausser un peu la balance et de pas se dire purée ma vie c'est vraiment nul et il n'y a rien de bien, parce qu'il y a des belles choses aussi qui se passent. Puis après il va y avoir tout ce qui va être la curiosité, cultiver cette curiosité, toujours aller plus loin, toujours chercher, se poser des questions, grandir ensemble et grandir seul aussi, servir et aider les autres. Je donne en fait, je sers les personnes qui m'entourent et j'ai envie en fait d'être dévouée aux personnes qui m'entourent et de leur rendre service, par exemple en partageant ma pratique et en expliquant tout ce que je suis en train de vous expliquer par exemple. C'est quelque chose qui m'aide à rehausser la balance et à me dire qu'il y a des trucs cool quand même dans cette vie, je peux échanger avec des gens, je peux... Voilà, je peux avoir des échanges constructifs qui vont me nourrir en fait. Voilà, ça va être ça, ça va être de me nourrir spirituellement et socialement et intellectuellement, voilà, ça va être de nourrir tout ça. Et il va y avoir aussi tout ce qui est au niveau de ma spiritualité, un dernier point, ça va être respecter l'ancien et accueillir le nouveau, dans le sens où il y a des traditions, il y a des choses qui sont vraiment superbes dans les anciennes traditions, des choses qui nous viennent de l'histoire en fait, et ça va être de ne jamais renier cette histoire, de connaître là d'où je viens et d'où viennent mes pratiques, tout en restant ouverte aux nouvelles choses qui peuvent être apportées, en gardant toujours évidemment l'esprit critique, parce que tout ce qui est ancien n'est pas forcément bien et correct, et tout ce qui est nouveau n'est pas forcément bien et correct non plus. Voilà. Et et voilà. Et globalement, en fait, donc ma pratique globale, donc en termes d'humaine du coup,
ben, y a lancer des sorts et tester des trucs, la recherche et la connaissance de soi, comme je vous le disais, honorer les divinités et les entités qui m'entourent et échanger avec elles, parce qu'en fait le monde de l'invisible a énormément de choses à nous apprendre, donc ça va être effectivement observer et interagir avec le monde de l'invisible, donc tester des trucs de nouveau, c'est vraiment une expérience de scientifique de l'invisible, si je peux dire ça comme ça, au niveau de la sorcellerie et de la médiumnité. De nouveau, entretenir mon pouvoir et mon énergie, donc tout ça, ça part. Tout ce que je vous ai expliqué, le fait de se nourrir spirituellement, le fait d'échanger, mais aussi de prendre soin de moi et de mon corps et d'écouter mes ressentis et de vivre chacune des émotions qui me traversent, bah, cheminer seul et cheminer avec les autres dans mon chemin spirituel, l'échange, le partage, tout ça, tout ça. Voilà, je pense que globalement, j'ai fait le tour de ce qu'était ma pratique et de pourquoi déjà je me définis sorcière, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que je vous présente en fait sur ma chaîne YouTube. En fait, je vous en dis un peu plus sur moi et sur quelles sont mes valeurs et mes souhaits, mes envies, mes buts en fait, mes objectifs à travers tout ça. J'espère que ça vous a permis d'en apprendre un peu plus sur moi et sur comment est-ce que je vis ma sorcellerie et ma spiritualité. Prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous, à très bientôt.